Hello everyone, hello hello, thanks for clicking in this video. Just as a quick introduction, I just want to explain, I did the CP5 and CP6 of Dark Moon Runes live streaming on Twitch. So I got them registered, but I did not register the CP1, 2, 3 and 4 because I was not playing them live streaming. So what you're going to see for the first four checkpoints is just me playing them again so I can make this video, okay? So I will play them twice in total. Anyway, I finished this map in 7 hours. Of course, I'm not counting the second time I'm gonna play the first four checkpoints, but here is the end though. Here's the end. So yeah, I just finished the map in 7 hours. So I'm gonna register again the first four checkpoints, and then I'm gonna let you with the VOD of this Twitch live. That was very long. What an insane map. That was a lovely map. But thank you a lot for watching. I hope you have a great video, and see you soon. Les gens se battent pour avoir une place sur un truc, alors que là, bref. Et à Tone, voilà. Du coup, là, si on regarde au niveau des couleurs, ouais, ça serait one star, tandis que Atoon serait pas. Atoon serait que 2 stars. Ah ouais. Ah bon. En 3 c'est pas. T'as quoi? T'as Dashless Plus, D1D7 et Divi. Dimaze, c'est la version dégueulasse là. Il dit ça, en plus elle est bien cette vidéo, parce qu'à chaque fois il dit juste à quoi ça correspond. Donc ici c'est a nice view de Earth of the Storm. Et la musique derrière. Nanana. Parce que c'est de la vitesse un peu junk. Bien. Quoi? Blueberry B, donc ça tu reconnais, c'est le flag 3 drop zel de la beginner hard side. Sauf que à la fin tu fais le flag tranquillement, là voilà, c'est la même ouais, sauf que t'as pas de setup et tu l'as fait autant. Bah ça, tu dois faire un 5 tail overhang à la fin, ouais. Genre attends. À la fin tu dois faire un 5 tail. En fait, c'est l'affaire, c'est chiant, voilà, il le fait là. Non, vraiment. Je le laisser parce que bon, c'est Flip, c'est ce qu'il essaye de. On connaît. Fever, on connaît. C'est long. Oui, c'est long, c'est une Silver, hein. C'est genre 4 ou 5 minutes, je crois. Oh. Ok, après, c'est le flag Unnerf and Cheese. Qu'est-ce qu'elle est bien cette map? Infernal, c'est où? Taylor Odyssey était bien, vraiment. L'instant je l'ai commencé. Mais ça par contre, ça, c'est Last Room de Temporal Tower. Comme ça. En fait, c'est parce que The Death Smasher qui a fait World Abyss, c'est lui aussi qui a fait Temporal Tower. Donc le même, c'est juste que bah. Cette map est trop bien. Temporal Tower, ma préférée de la Sprinkle avant. Incroyable cette map. Qu'est-ce qu'elle est bien. En fait, là, j'ai... J'oublie... Oui, ça fait genre 3 ou 4 rooms. Hein. La map. Elle a vraiment pas l'air drôle. Bah, à la base, sachez-le, ça devait être pour une autre collab où est-ce que les maps étaient de difficulté Advanced, d'accord? Ah, what the fuck, hein? Qu'est-ce qu'il fout là? Et, bah oui, il est là le problème. Et en fait, c'est que la personne qui a créé la map, en gros, c'est je crois que de souvenir. Et du coup, le mec a fait une map précision. En ne connaissant rien à Céleste, et genre je crois que c'était un mec de genre des fan game à Wannabe. Et du coup il a dit bon bah, ça a l'air d'être Advanced, vas-y je la drop, tu vois, je lance mon draft et on regarde ce qu'il en vaut. Eject as de zinzin. C'est une map faite par un mec qui joue même pas au jeu en fait. Par un mec qui joue à d'autres jeux, mais oui voilà c'est ça. Et après bon elle a été revue par d'autres personnes, il a été aidé et tout ça. Mais dans l'idée. Oh, oui, ça, ouais. Don't screw it up. Je crois qu'il en a marre de rien penser.
Ok, hop, voilà. Et puis après, on finit là. Black Plumber qui l'a mis 3 stars, je pense. Ah ouais? Ah bah, avec quelques autres trucs un peu garbage, mais le flag Plumber, en fait, maintenant il a été beaucoup de cheese. Mais premier clear, le mec, pour passer un bumper clip, en fait, il y a un bumper clip que tu verras tout à l'heure, il a passé 15 heures. Et... Oh là là, ça a l'air horrible! Et allez, hop, c'est parti. Alors, là, on s'amuse, c'est ça? Je déligne quelque part. Ah, c'est dommage, y a pas. Dommage, il a pas mis en lien. Mais vraiment, genre, ouais, c'est fin. Il a utilisé ça là. Le smooth. Voilà. Non, mais la room est infinie déjà. La room est très grande. Donc, je dois faire toute la room avec à la fin un truc absurdément trop cool. Mais c'est trop cool. C'est pas prêt, c'est bon, ça va être le prochain. C'est formule mathématique. Mais c'est pour savoir comment le faire. Comment tu te dis je le mets dans ma main. C'est pour ça que j'avais. C'est pour ça que j'avais très peur quand ZKB me parlait de Plumber avant que comment s'appelle Strawberry Jam soit sorti. Parce que genre premier degré, il m'a dit que Maya était une zinzin en fait. Maya elle a Elle d'accélère et d'accélère et ralentit. Elle est ralentie. Oui, elle est ralentie. Mais c'est garbage. Il voulait mettre ça. Et des fois, les mappeurs, vous avez dit merde, hein. Je suis désolé, mais. De la merde dans le cerveau. Hein. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Valkyrie, elle a dû regarder le draft de cette room-là. Et. About sex. Non, pas ça. Oh bah oui, bien sûr, j'allais te le dire, tiens. Bah oui. Et alors, attends. Chain d'ultra, into ultra. Alors, attends, last room. Oh, de misery. Du coup, vraiment, c'est j'aime plus que. Et tu dois faire des trucs bizarres avec les jelly. Parce que c'est les jelly qui dash. Oh, c'est oula. Les jelly du bounce setter. C'est les jelly rouges, hein. Tu peux les lancer sur le sol, et elles bounce sur le sol, et elles dash après. C'est horrible. Ben non, là il va passer, je pense, il va passer au-dessus. Mais normalement, normalement, elle devrait passer là, pendant que toi t'es accroché, parce que ça c'est une ligne qui permet genre à même elle s'accroche sur la front. En fait. Oh là là. Et donc de ouais. Passer en même temps qu'on ouais, peut. On est grave dans Céleste là. Oui. On est bien dans Céleste ici. Hein. Ouais. Si ça joue le jeu. Oh, que c'est de devoir tout réécrire là. Quelle idée. Quelle idée de ne pas avoir enregistré ce que j'avais fait avant. Allez. Bien joué. Ça c'est fait. Vas-y bah tu me dis quand t'arrives sur P4. Le problème c'est que je me souviens plus des rooms. C'est ça qui me prend du temps en fait. Là ça va, mais deuxième room tu prends la tête. Je pense que c'est bien que pour l'instant je fasse ça pour m'entraîner parce que je fais pas beaucoup d'heures de jeu en vrai. Ouais mais il y a aucun monde où cette strat te fait gagner du temps, elle te fait perdre du temps par rapport à la strat basique. On a pour des années. Hein. Je pense. C'est pas je pense, c'est certain, t'en as pour des années. C'est quoi le top 10 qui C'est 29-20. 29-20. 29-20. C'est bon. Je pense que c'était vraiment...
il y a un mois, je pense qu'il y a peut-être 70 heures. Donc... Je savais vraiment pas faire de super dash et tout. Et... Ouais, mais là, regarde, avec le strat que t'as actuellement. Bah, t'as perçu, ouais, t'as perdu. T'as pas réussi ta strat, hein. T'as pas réussi ta strat. Là, je l'avoue, je suis stressé. Strat de base avec des mouvements normaux, genre. Quoi, des mouvements normaux? Bah, ça veut dire des mouvements pas exceptionnels. Ouais, c'est juste des mouvements corrects, avec des strats corrects. T'auras des bien meilleurs temps parce que là, genre, je fais des strats beaucoup plus durs, mais tous tes mouvements sont vraiment. J'ai un 12 là. Plus que là, là. Quand tu fais un 1.30 en run, tu l'as ton 40. Hein. Ah ouais. De toute façon, un A a zéro impact sur ta run. Je le dis, surtout si tu sautes 40. Hein. Non, zéro impact pour sur ta run. T'as buffer ton sniper, qui fait que tu perds encore moins de temps. Bah, je te jure, Lunera, que par rapport à ce qu'il avait fait avant, et là avec le buffer, je te jure, il y a zéro quoi. Hein. Ouais, mais en fait, c'est pour ça, en fait, j'essaie de comprendre parce que moi, j'ai pas de conseils. Mais là, en fait, là, tu sautes des étapes. Vraiment des étapes. Qu'on soit des strats. Ouais, mais c'est... moi, ça me permet de practice, en fait. Ça aussi, ça fait perdre du temps. J'essaie de practice. C'est vraiment. J'ai pas prétention à dire que. Tant du coup que tu practices à des endroits où c'est pour, parce que là, les deux trucs que tu traînes... C'est un entraînement, mais en fait, là, tu cherches à faire des strats de gens qui sont genre 1500 heures de jeu only speedrun. J'ai beaucoup aimé. Hein. Avec tes 40 heures de jeu speedrun, quoi. Du coup, moi, je faisais ça quand... Quand j'étais petit. Comme ça. Je venais juste d'apprendre le wall bounce, c'est le hyper, donc j'essaie de flexer ici. C'est P4, Chou. Ok. En 45 minutes. Pas mal. Ouais. Parce que je vais faire strike la ronde parce que. Ok. Pourquoi j'y arrive plus? Allez. Je sais pas. Bon, ça sert à quoi de lire qu'on peut jouer à Céleste? Attends, il est toujours pas dans le vocal, Nair. Hein. Ça va? Attends, il est toujours pas dans le vocal. Hein. Ouais, c'est impressionnant, hein. Mais je pense qu'il est parti dormir. Hein. Je me suis endormi, c'était 20h. Je me suis dit, c'est bon, je vais me réveiller. Pour demain et tout, machin. Et je me lève, c'est 22h. Je suis super. Ah, mais c'est pour ça que t'arrives pas à dormir à 20h. Hein. Sinon, la raison elle est plus. T'as fait une sieste de 2h de 20h à 22h. Après, je me suis rendormi, je me suis réveillé 20 minutes après. Je me suis dit. Oh non, j'ai pas idée. C'est le Noël cadeau ou pas, Non, mais non. Ah bon, c'était pas Noël. Non, c'est pas Noël. Bon, des fois, des années, on fait un repas en famille ou quoi. Bon, cette année, on va le faire. Okay. La plupart du temps, Noël. Pourquoi tu fais pas Noël, Lily? Je suis musulman. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, après, ça dépend qui, j'imagine. Nous, les cadeaux et tout, on se le fait généralement à l'Aïd. Oh, je vois que ça change chaque année, c'est un beau. C'est à la fin du ramadan et 2 mois après. Il y a le petit laïd à la fin du ramadan et il y a le grand quelques mois après. Laïd Moubarak. Et après, mais tu fais pas le wall bounce, tu grappes, tu climbs le plus vite possible et tu fais ton ultra, mais il est un peu tight quand même avec la strat. J'ai juré ma manette. Voilà. Bon ben voilà. Bon ben voilà. C'est gratuit. En vrai, il y a peu d'endroits dans le speedrun, en tout cas, il y a peu d'endroits où t'as besoin de ultra.
Ouais, mais ce serait pas une bonne idée que j'apprenne les choses, non? Attendez-moi, je reviens. Pas coupé. Regarde même ton sexe. Ah, je savais pas que tu pouvais ça. Elle est presque ça. Un net je sais. Ah là, c'est oh, parfait là. Même moi j'étais choqué parce que je suis parti loin. Mais t'as eu beaucoup plus de speed parce que tu l'avais joué. Mais genre, pas bien ce top. Oui, mais il faut les faire très petits en fait. Il faut les faire très opti ouais, parce que sinon tu peux pas le faire. Le premier tu peux pas l'opti sinon t'as pas la suite. Oui, oui, oui. En plus c'est aussi des moonblocks. Je suis dernière room depuis 15 minutes, genre se casse les couilles là. Oh là là. Et je meurs toujours au même endroit et je sais pas pourquoi. Quand je practice ça marche et quand je practice pas mais ça marche pas. Oh, je suis passé enfin. Oh, ben voilà. Ben voilà, au moment où je regarde. Oh merde. Ok. C'est ultra intéressant. Ok. Ça marche. Bisous. Bisous, bisous. Bonne soirée. C'est qui se barre? Ténéra. Bon, oh, j'ai enfin fini. Fallait rouspéter un peu. Fallait que t'arrêtes de regarder. Voilà, c'était bon. Pouvoir monter la vidéo, l'upload. Ah non, 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 je continue pas, laisse tomber. Là, c'est bon. Mais bon, au moins on a fini. David, it's so hot. Oh, j'ai fait quoi? J'ai mis une heure de plus là pour faire les 80 checkpoints. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, au moins tu sais ce que tu veux faire. Alors, ok, ça. Sinon, rien d'autre? En vrai, personnellement, non, rien de. Rien de fou. En vrai, tu n'auras qu'à dire que c'était zéro, tout simplement. Nice! Un peu bizarre, mais. Peut-être en fonction de la friction. Ah Titi, s'il est cassé. Là, franchement, j'ai le stream qui marche à moitié. Laisse tomber. Les notifications, elles marchent plus des fois. Tu vois, j'ai cru que j'allais passer un gros moment sur la salle. If I remember correctly, I just didn't know the name. Nice, yellow, okay, but it plays like green, yeah, okay. Alright, I remember correctly then. Oh, what? Like a new player, I was burned out of with most of Celeste. So, oh, oh, okay. I thought I was dead. All right, having fun doing them. It's not easy. It's not easy. I've got so many goldens that I'm trying to do, and I have good PBs, very strong PBs, and I'm still not able to get them. Nice, but I don't know. I don't know. It takes so much time and you're not really having fun when you're losing. The room, this room is insane. It
looks. Oh oh. What about peanut butter and jelly sandwiches? I don't think I've ever tried peanut butter though. I'm so sorry. Yo, let's go! That was kind of fast. Alright. Oh no, that was close! I think we know what to do. We just need to do it. Let's go! Alright, let's go. Nice. Thank you for the advices. Uh-oh, or something. But this is very cool. Like, are you more of a... Are you more of a... I was watching Kit for a long time before I tried it. Same. Exact same. Bienvenue à toi, merci pour ton follow, installe-toi. J'espère que tu t'en sors bien en anglais puisque nous avons un anglais avec nous. But yeah, as I was saying, pour recruter car mon patron cherche à récupérer des talents dans la vague de licenciement. Ah, parce que vous êtes en licenciement massif là? Beaucoup de grosses boîtes en tech. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Putain, ça craint. Qu'est-ce qui se passe pour que pendant le mois dernier? Ah ouais? Comment ça se fait? Bah, problème de productivité. Non, très mal. See you. Après, je parle du marché du travail aux US. Je sais pas trop ce qui se passe en France. Ouais, mais bon, aux US, c'est évidemment le plus gros marché de l'informatique avec les grosses firmes comme Google, Apple, Microsoft. Enfin, tous les sièges vont se trouver ici en fait. Always a good time, see you, thank you a lot. Thank you a lot, I appreciate this, FX. Des investisseurs, hein. Dès qu'ils ont besoin d'un peu plus de sous ou ils commencent à mettre leur nez un peu plus dans ce qui se passe. Oh, ok, nice. Est-ce que j'ai bien compris? D'accord, ok. Oui, parce que si tu contrôles trop de choses, du coup, tout le monde dépend de toi. Et pas que tu peux arnaquer encore plus de monde, mais vu que tout le monde dépend de toi, bah, les gens, ils ont pas le choix, quoi, de passer par toi. C'est à partir de combien d'étoiles qu'il faut poster un clear en vidéo pour pouvoir être validé? Allez, hop là, ça s'est fait. Oh, oh les routes. Oh, j'en peux plus. I need to finish DMR. Then we will see. Only because he found his own strat. Okay.
took me 10 hours. Shit, that's not that much. Ok, je peux pas choke deux fois. Qui va gagner, le gorille ou le lion? Les gorilles vivent dans la jungle, ils sont rodés, ils ne font rien de leur journée. Et quand même, ouais, après ils attaquent en meute souvent, tu vois. C'est pas des chopas, ils attaquent en meute, en général. Non, je pense qu'en vrai, gorille, ouais, le gorille... En fait, le problème, c'est que le lion, il va devoir s'approcher pour tuer le gorille. C'est sûr. Et je pense que... Bah, le gorille, dès que le lion s'approche... Il te le prend, il lui arrache les pattes comme ça, tu vois. Bam, bam. C'est sa meuf qui fait tout. Lion trop surcoté. C'est vrai. J'avais oublié. Lion surcoté. Putain, on a réussi, les gars. Merci pour les GG. Tout fait néant. Fais un shampoing, Lion. Il fait coucou. Je vais t'aider à te laver. Un gorille avec une épée à deux mains. Et un lion avec une tenue camo de métal gear solid. C'est juste un gros... This guy was very consistent then. Yes! Yes! New room, I'm the opposite. GG. Que Vinci qu'il saura, mais... Yes! Je sais pas combien de salles il me reste à faire, mais oh là 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 là, c'est dur. Allons, let's go. C'est parti, les amis. J'ai envie de péter. Oh merde, pas maintenant. Ok, pète doucement. Nah! Si je passe sur la fatigue. Putain, je suis défait, j'avais assez de vitesse et je me suis tué. Allez, la fatigue, c'est fun. C'est pas forcément connu du grand public, mais c'est fun. Oh, attends. Je suis content, zombie. Oh. On continue. Pareil, apparemment, le faire 6B, c'est bien. Mais c'est tellement plus rentable au début. Je trouve que c'est bien de le faire, genre vraiment quand tu atteins... Le sub 30. Quand tu veux passer genre vraiment sub 32, ça c'est nice. Incapable de faire du modé. C'est pas que tu t'en serais incapable, c'est que
si t'es excellent en speedrun, mécaniquement tu as tous les outils pour pouvoir le faire. Par contre, tu n'auras pas du tout l'habitude de lire les maps, les emplacements de blocs et de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est placé comme ça par rapport à ça. Tu auras plus de mal à comprendre la map, même si c'est pas un puzzle, tu vois, je pense. Oups. Yes. Sale parce que celle-là elle est pas spécialement dure, je trouve, à part genre sur ce passage là. Yes, bon ben voilà. Super. Je suis pas encore parti, c'est pas bon, je suis pas de vitesse. C'était juste nice. Le mec est parti en Mac 3. Oh putain. Easy free win. Ok. Il me reste deux salles, je crois. Nice. Last room, allez. À nous deux. Y'a un endroit, y'a dans ta... Not much speed. Yes! Oh, this is over! Shit! Yes! Thank you for the good luck, Splod! Let's go! Oh, this is the... about the story. The map, which I don't know about, I just played for the gameplay, but story sounds cool anyway. I'm so freaking happy. Let's go. C'était fast, ouais, je suis content. I think I did it quite fast, like that's not that bad. I think I did it under 10 hours, which I'm very proud of. Let's check.
Ça me fait rapper. Oh my god. 5000 deaths? Yeah, almost. That was insane. Yo, I'm very happy with it. 7 hours. Ah. I'm very glad I did it. Let's go. We can sleep in peace now. Thank you for the GG, guys. Thank you, Roi Lapin, which was here since the very beginning of the live. It was a 7 hours live. That's mad. And thank you to Splod. That welcome to him. Welcome to him, because I didn't know him before. He raided us earlier. I mean, I knew him, but like I didn't catch him on a lot of his streams. But thank you for the raid, Splod. And thank you, Livy, for lurking here too. I'm very happy.